Le saviez-vous ? Une expérience a prouvé qu'aucun général de l'histoire n'a pu égaler Napoléon dans son génie militaire. Pourquoi ? Parce que sur 43 batailles, il en a gagné 38 pour seulement 5 défaites. Et encore, ces 38 victoires sont quasiment toutes remportées dans un contexte défavorable. Austerlitz en 1805, 65 000 Français pour 80 000 coalisés et victoire de l'empereur par chaos. La campagne de Prusse et de Pologne en 1806 et 1807, 150 000 Français pour 240 000 Prussiens et Russes. Résultat, échec et mat quasi définitif pour la coalition. Quand il perd, Napoléon se retrouve souvent dans un rapport de force impossible. La bataille de Leipzig par exemple, 330 000 coalisés contre 190 000 Français et victoire des Alliés. La bataille de Waterloo, 80 000 Français contre 80 000 Anglo-Néerlandais, renforcés par 50 000 Prussiens. Bref, selon Ethan Hirsch, un chercheur en data science, impossible d'égaler Napoléon dans son génie militaire qui reste le plus grand des conquérants.